moi je vais super bien, moi ça va. Donc aujourd'hui je suis accompagnée de Patience, donc Patty. Elle a une chaîne YouTube, du coup vous allez la suivre et tout. De toute façon je vais mettre le nom de sa chaîne en bas. Aujourd'hui on est là pour une vidéo que vous allez aimer, j'espère en tout cas, parce que moi genre j'aime trop. On va faire Nigerian Type parce qu'on vient tous les deux du Nigeria. Du coup on va se poser un peu quelques questions pour voir qu'est-ce qu'on sait sur notre pays. On va se poser sur notre pays et voilà. Du coup, on va commencer avec les questions et je vous laisse la suite. En fait, il faut juste savoir que les questions sont en anglais, donc on va traduire en anglais. En français. Ouais. Ou on va traduire sur le coup en français. Voilà. Donc, première question, est-ce que tu es née au Nigeria? Moi, oui. Moi, non. Moi, je suis née là dans la cité. prochaine question, est-ce que tu vis au Nigeria ou est-ce que tu as déjà vécu au Nigeria? Moi, j'ai déjà vécu 3 ans là-bas. Sérieux? Si, moi pas. 3 ans, parce qu'on enfin, était à l'école là-bas et tout. Et ah, c'est ouais. Quoi, tu vois, c'est genre, c'est totalement différent. Mais ouais, sérieux? Okay. Ouais. Moi, je suis allée, j'avais 2 ans. Troisième question, quelle partie du Nigeria viens-tu? Moi, je viens de Imo State, Abadja. Donc, c'est un village là-bas. Attends. Nous, on vient, en tout cas, on vient de River State. Après, où? Je sais pas. As-tu déjà été au Nigeria? Bah toi oui. Ouais. Moi aussi. Mais genre j'avais 2 ans donc ça compte pas trop. En plus, je suis allée ce décembre du coup. Si vous avez pas vu mon vlog, allez voir ça. Cinquième question. Quel est ton nom traditionnel? C'est bon que je redoutais. Moi c'est Neka. Sérieux, c'est trop joli. Ouais. Merci. Ah, moi. C'est un prononceur, mais c'est un crime. Ok. C'est Ahmed Totobari. Attendez, je l'ai écrit. C'est le nom du basket, ça? Ouais. Ah, mais c'est long. Hein. Ça se voit. C'est mal là. J'ai même prononcé faux, je crois, mais bon. Bref, alors, septième question. Ah non, quelle est la signification de ton prénom traditionnel? Sixième. Moi, ça veut dire, en anglais, ça veut dire genre, Moda is great. Du coup, ça veut dire genre, femme forte, enfin, la femme est forte, un truc comme ça. Genre, je sais pas comment. Enfin, en anglais, c'est Moda is great. Du coup, femme est forte, femme ouais. Est. Il n'y a pas de tradition, oh, c'est vrai. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, le mien, c'est dire qui est comme Dieu. Ouais, c'est bien, hein. En vrai, c'est genre, ouais. Tu sais, la politique, c'est un mot, j'ai jamais genre comment entendu ce nom et tout, du coup. Voilà. Ensuite, huitième question, non, septième question, pardon. Quel est ton son nigérien préféré? Il y en a plein, du coup, je vais pas choisir. Moi, j'écoute pas plein. Du tout, moi, j'écoute, il y en a plein, du coup, je vais pas choisir. Moi, j'écoute pas trop, donc j'ai pas. Bon, film préféré nigérien. Attends. Comment tu peux faire ça? T'es nigérien, t'écoutes pas nos musiques. Je sais pas, gars. Mais c'est trop bien, hein. Ouais, même les gens qui sont même pas nigériens, ils écoutent nos musiques. Ouais, je sais, mais vas-y, tu vois. Je suis pas dans les musiques afro un peu, moi je suis plutôt trap, tout ça. Ok. ah oui, le film préféré. Moi je sais pas, je connais pas leur film, leur nom, mais j'aime bien. Ah, moi j'aime bien Jennifer Diary, c'est genre une série et tout. Et genre, c'est vraiment bien. Elle me connaît. Non, c'est vraiment bien, genre, moi je vous conseille, c'est vraiment genre une série, c'est drôle, c'est genre vraiment, c'est vraiment trop bien. Ok, je vais regarder. Hein. Ouais. Même question, quelle est ta nourriture préférée du Nigeria? Oui, il y a plein, enfin, il y a, ouais, plein, aussi, il y a plein, genre jollof rice, Nigerian jollof rice, uh-huh. Is the bomb. Il y a Ghana, you could never, Ghana jollof could never. Here he is. Ah oui, Big Bang. J'aime bien aussi, en prenant soupe. Oui, en prenant soupe, j'aime bien aussi. Non, moi j'aime pas. Moi j'aime trop, en prenant soupe aussi, ouais. C'est bon. Il y a quoi, dans les pof-pof? Ouais, à Kamou. Planté, après moi j'en fais moins, genre, mais c'est quand même bon. Bon, vraiment, je sais pas, il y a Liam aussi. Mais ouais, bon, Liam. Fred, mais Liam avec la sauce avec les œufs. Wow. C'est tellement terrible. C'est tellement bon. Oh, mais il y a plein de trucs. Il y a tellement de trucs, il y a trop. Ouais. Ensuite, il y a quoi? Dixième question, qui est ta personnalité préférée au Nigeria? Bob Risky. Je sais pas. Ouais, j'en ai pas. Ça peut être un musicien. Non, ouais, je sais pas. Enfin, je sais pas.
préféré, je sais pas. J'aime bien Regina là. Pasta Chris. Ouais, aussi, ouais. Pasta Chris. Voilà. Onzième question. Quelle langue nigériane parles-tu? J'en parle aucune. À part l'anglais. Ouais, voilà, c'est la langue nationale. Ouais. Mais moi je parle pas, mais je comprends Igbo. Igbo. Sérieux? Ouais. Non, mais je comprends pas. Mes parents m'ont jamais appris. douzième. Quelle est la meilleure manière d'identifier un Nigérien? Broken English, pidgin English, c'est ce que vous voulez. Et l'accent, il se met sur lui, mais voilà. Pas l'idée. Ah, go, du coup. Ah, c'est ça. Ah, ou pas. On va voir. 13ème question. Quel est le meilleur secret gardé des Nigériens? Je crois que c'est ça. Je sais pas. Je comprends même pas la question. Secret même. Je sais pas. Il y a des questions bizarres un peu. Ensuite, prochaine question. Qu'est-ce que tu aimes à propos du Nigéria? Man. Bah ouais, déjà les impôts. Après, la bah, la musique. La nourriture. La nourriture, ouais, déjà. Hein? Ouais, après, ouais, il y a des bêtes de maison aussi là-bas. Ouais, comme ça, enfin. Moi, j'aime juste leur façon de penser. Non, en fait, je pourrais pas dire façon de penser, mais j'aime bien, genre, leur mentalité un peu, même si des fois ils sont un peu agaçants. Mais je trouve que c'est. Les Nigériens, ça fait. Ouais, tu vois. C'est nous, quoi. On est Nigériens, tu vois. C'est ça, la beauté du bail, tu vois. Genre, tu sais, on a vraiment tout. Genre, tu sais, notre anglais, déjà, c'est. Tu sais, genre, je sais pas, on est différents. On est différents, voilà, on est différents, c'est ça. C'est ça, la différence. Voilà, la différence. Qu'est-ce que tu n'aimes pas au Nigeria? Bah, peut-être les roads. Tu sais, les broken roads. J'aime pas la corruption. Le broken, ouais, la corruption, voilà. Oh, c'est horrible. Bon, ça, ce que je préfère, c'est qu'au Nigeria, il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup partout aussi. Ça, il faut changer. Nous, on va changer ça, les futurs leaders. Bien sûr, c'est ça. On va changer. Restez à l'affût. Prochaine question. Quel est ton rêve nigérien? En fait, bah, je sais pas si c'est, je dirais rêve nigérien, mais genre un truc que j'aimerais bien qu'il se passe au Nigeria, du coup, bah, parce que j'ai un rêve nigérien, je sais pas. Mais genre, j'aimerais que, genre, tu sais, ça. Enfin, justement, on va parler de corruption, que ça change, que ça devienne. Bon, c'est vivable, parce que genre, donc, il vit là-bas, moi aussi j'ai vécu là-bas, du coup, voilà. Bah, les trucs, enfin, mauvais, enfin, je peux pas dire, parce que je connais pas tout ce qui est mauvais, mais genre, enfin, la corruption, des trucs comme ça, que ça change. Et aussi, quand on montait les bras, enfin, tu sais, les cheating 419 dans les magasins, tu sais, dans les magasins, quand tu mets les faux trucs là, genre, je sais pas, ou tu achètes du poisson, c'est du plastique, ou des trucs comme ça, non, faut que ça arrête, faut que ça arrête. Ou tu veux acheter one cup of rice et un demi cup of rice, ça, non, ça, faut que ça change. Moi, mon rêve nigérien, c'est de devenir président. Tu vas changer tout ça alors, tu vas nous changer tout ça. Donc, la vidéo, elle a coupé, du coup, on va continuer. On adore. Yes, ok. Prochaine question, c'était quoi? Motion 5, État nigérien. Alors, il y a Rivers State, Benin, Abuja, Lagos. Il m'en manque un, non? Imo State. Voilà. Alors, moi, Anambra, Abia, Akwa Ibom, Calabar. Delta, t'as dit 5? Non, t'as dit Delta, ok, c'est bon. Yes, ensuite. Ok, qu'est-ce que les Nigériens disent quand ils font le contrôle du son? Pardon. Tu sais, genre quand tu vas contrôler le son, enfin, genre quand t'as le micro, tu vas faire 1-2, tu vois. Ou genre. Allô, allô, allô. Voilà. Et nous on dit, genre c'est, bon, c'est, enfin, c'est plus à l'église et tout. Ouais. Dans les fêtes, ils disent même ça, genre. Genre en mode glory, glory. Ou genre praise the Lord. En fait, il dit bien long et tout, genre vraiment. Alléluia. Ouais, voilà. Alléluia. One, two, one, two, one, two. Vraiment. Ensuite, quelle est la nourriture officielle des Nigériens pour les fêtes? Ah bon, bah, jollof rice, hein, vraiment. Ça. Pas si jollof rice. Tu sais, bien le goût un peu, genre, tu sais, beaucoup. Je sais pas comment c'est pas brûlé, mais genre. Ouais! Bien! On pourrait être brûlé là! Vraiment bien! Mais genre, c'est ça qui donne. Tu sais, genre, la différence entre. Ouais! Ou c'est aussi, ça, prendre des diables.
un DDA. Ouais, il y a vraiment genre, tu sais, soupe et tout, et rice. Rice, et voilà. Moi, je prends toujours rice et tout. Ouais, la même. Plein de même mal et tout. T'as des fêtes, tu manges c'est mou. Voilà. Tu t'es habillée double, là. Pour salir encore avec la soupe. Non. Quel bail. Combien de cubes de sucre mets-tu dans ton Gary? C'est une nourriture du bled, hein, en cas où. Ouais, c'est du bled, jusqu'à qu'il n'y a plus de le goût amer, là. Genre, tu mets, et quand... En tout cas, ça a dépassé 3, les 3 cubes. Ouais, en tout cas. Ça a dépassé 3. Ensuite... comment ouvres-tu une bouteille de soda? Bah, avec les doigts. Mais je sais qu'ils ouvrent comme ça. Ils ouvrent les dents, genre comme ça. Oh, mais c'est un truc, quand il y a des visiteurs et tout, ils me demandent « Go un plume, ouais. Go un plume, go un plume, là !» Après, c'est ça qui est dans, qu'on est tu vois. Ouais. Mais genre, toujours non, on doit aller chercher tout. Pas trop me plaindre, parce que... Et dans ta chambre, on t'a fait « Mais j'ai go un plume, go un plume, pour des visiteurs !» Je te jure. Ou des trucs qui sont même pas loin d'eux, tu dois aller toi chercher en mode... Et en vrai, t'es obligé de dire bonjour aux visiteurs, alors que t'es dans ouais, le... Ouais, j'allais bonjour. Et quand ils ont fini de manger, tu l'as débarrassé. Ouais, tu dois... Thank you, my daughter. Do you remember me? Ah, j'ai cru que c'était tombé. Quand tu as tes visiteurs, qu'est-ce que ta mère t'envoie acheter? Granotes. Ouais. Moi, les cacahuètes. Ouais, les cacahuètes. Malt, voilà. La boisson, là. Ouh. Ou de la bière, tu sais, pour... Oui. moi, je peux pas acheter, parce que voilà, mais genre, eux, ils voient, c'est toujours ça. Mais, attends. Quand tes parents, ils savent qu'il y aura des visiteurs à la maison, tu vois les trucs que t'as jamais vu dans le frigo. Après, t'as pas dit, ah, il y a ça. Attends, tout se passe, c'est pour les visiteurs, ça va bien. Quoi? C'est soin. Voilà. Genre, vraiment. Stingy. J'avais vu cette meuf. Dernière question, enfin c'est pas une question, c'est des prononciations. Ouais. Ok, prononce les mots suivants. Oil. Oil. C'est genre l'huile. Ouais, elle écrira de toute façon. Yam. Yam, ouais. Yam, c'est... on dit comment en français? Yam, c'est comme ça? Non, je sais pas. Je... Yam. Je sais pas comment le dire en français, je pense que c'est yam, c'est comme ça. Ouais, je crois, bah comme ça. Yeah. 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 Ouais. Ok, yeah, ouais, limite. C'est une fois, c'est un lifetime. En vrai, je te jure. You hear? If I. En vrai, j'aime jamais finir la phrase. If I. Oh, tu sais, quand ils donnent. Quand t'as fait quelque chose, tu vois, ils vont. Why did you do that? T'as fait expliquer après. Comme je suis en train de faire. Alors que oui. Non, mais tu m'as demandé de parler, maintenant tu dis de me taire. Mais c'est quoi ça? Je pense que le prochain. Happy. Ouais, happy, normal. Ticha, ticha, je dis pas ticha, ticha. Vraiment accentuer les A. Ticha. Le prochain la même. Fasta. Ouais. Fasta. Ensuite tu l'as. Et toi? J'enchante. Je t'en ai déjà. On dit pas c'était j'enchante. Je te jure. T'as le pas left, t'as dit j'enchante. Then you see the signboard. J'enchante. Bref, c'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, on a aimé filmer ça. Même si c'est la deuxième fois qu'on fait cette partie, c'est pas grave. Je pense que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et aussi, abonnez-vous, c'est pas encore le cas. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Patty Patience. Du coup, je vais écrire. Et aussi sur Instagram, PNWKE. Je vais écrire. Et moi, c'est. I am angel.lm. Donc allez liker nos photos, allez nous dire nanana. Je vous aime fort et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand ça sera, mais à bientôt.